Salut à tous, mon nom est Yike, nous voici ensemble pour un épisode de No Creeps Were Armed Tower Defense. On va continuer. Alors, pour le moment, ça se passe plutôt bien. Et apparemment, ça serait dû au fait qu'on a eu quand même une belle combo avec nos tourelles blaster. Parce que les tourelles blaster qui tirent plusieurs shotguns, enfin un peu comme des shotguns, et qui balancent des zones électriques, apparemment ça fait quand même bien le taf. Hein. Je pense qu'il y a une partie aléatoire sur les artefacts, évidemment. Qui influence énormément votre première approche. Mais quand on va faire du difficile, quand on va faire plus compliqué, quand on va vouloir optimiser le sans limite, quand on va vouloir faire des trucs vraiment plus haut niveau, bah, cette différence sera complètement écrasée par les nouvelles tourelles, par les nouvelles mécaniques, les nouveaux artefacts qu'on va trouver. Et tout ça, tout ça. Donc, ça n'aura que très très peu d'incidence. Ça aura quand même beaucoup d'incidence d'avoir de bons artefacts, attention. Hein, parce que les artefacts ont quand même une modification du metagame qui est importante. Mais, dans l'absolu, un bon artefact d'un certain truc va pouvoir modifier plus qu'un bon artefact de blaster, par exemple. Parce qu'à un moment donné, peut-être qu'on n'utilisera plus trop de blaster. Bien que la tourelle de base, on a tendance à l'utiliser quand même en début de bataille, quoi qu'il arrive. Assez souvent, on va dire. Mais voilà, disons que là, on a notre avantage parce qu'on est en train de faire en intermédiaire sur notre premier run et qu'on se fait des étoiles assez facilement, ce qui est assez cool. Alors, ça n'est pas comme dans les autres jeux de ce type. Normalement, les étoiles, c'est de la monnaie pour débloquer des tourelles ou c'est de la monnaie pour des trucs comme ça. Alors là, je pense que ça n'a pas d'incidence. C'est juste pour dire, est-ce que tu as réussi à le faire en faisant le secondaire, en gros. Mais voilà, ce qui est important, c'est de monter les niveaux des tours et ça nous débloque d'autres tours, en gros. Hein. D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'on ait vraiment optimisé ce côté-là. Alors, on va s'occuper de relais, donc cette map. Et on va se lancer. Alors, on a mis le... On a mis Vichy avec le nuage toxique. On va voir ce que ça donne. Mais logiquement, tu ne peux pas enlever plus de 75% de la santé maximum des relous avec le poison. C'est-à-dire que tu peux les faire descendre à 25% de leur point de vie et ensuite qu'ils se fassent tuer. Donc, l'idéal serait même de ne pas tirer sur les ennemis avant qu'ils prennent le poison à 75%. Mais vu que c'est un pourcentage des dégâts de l'arme qui est employée, celle de Vichy, elle fait pas énormément de dégâts. Donc je ne pense pas que le poison inflige vraiment 75% des dégâts du relou. Ça va juste faire un petit dot supplémentaire, agréable, mais sans plus. Je pense pas que ça fasse tant de dégâts. Voilà, vu qu'il tire vraiment partout et un peu sur tout le monde, je pense qu'on va voir du poison quand même s'afficher. Alors, c'est quoi ? C'est nuage toxique, hein. C'est un nuage de poison, c'est un peu comme le nuage électrique. Vous voyez, c'est pas je touche, on avait un autre truc, shotgun, qui empoisonnait. Mais là, ça empoisonnait la cible qui était touchée. Là, on va mettre une zone de poison, s'il s'en va, ben, la zone elle sera là pendant 6 secondes. Hein. Donc voilà, elle durera moins longtemps que l'électrique, mais je pense que cumulé avec l'électrique, ça va justement faire des trucs rigolos. Alors, comment on se développe sur cette map? Eh ben, il va falloir réfléchir à comment se comporte la map. On va lancer. Et on va regarder comment elle se comporte, le trajet, dès qu'on va mettre une tour ou un truc. Alors, ok, épidémie de zombies, collision d'astéroïdes, soulèvement des machines, matière étrange, faux vide, guerre nucléaire, invasion extraterrestre, taxe sur l'existence, explosion de rayonnement gamma. Rien de tout ça n'a eu lieu sur ce monde et tous ses habitants exterminés par du code mal foutu, un bug, une omission, un accident. Bon sang, qu'est-ce que c'est pathétique et incroyablement prévisible. Quand même, personne n'a pensé à te tester avant de te lâcher dans l'univers, tu n'as même pas eu de bêta ou d'accès anticipé. Tu as été envoyé sur le marché comme ça directement, malware compris. Limite d'erreur atteinte, demande de support technique innombrable enregistrée, mise à jour en attente. Une mise à jour, donc quelqu'un s'est aperçu qu'il avait méchamment merdé, juste un tout petit peu trop tard, donc transformer la planète en tas de cailloux, concevoir cette monstruosité dégoulinante et forcer des cerveaux désincarnés à assassiner des CBB toute la journée ne faisait pas partie de tes fonctions initiales, hein. Dis-moi que j'ai tort, quoi qu'il en soit, je suis quand même curieux de savoir ce que c'est que cette mise à jour. Tu peux l'installer pour moi, s'il te plaît ? Mot magique, accepté. Permission d'utilisateur refusée. Erreur. Mise à jour programmée dans une erreur année. Milliard. Gouah. Ok, on a le gringalet. Puissant bouclier à recharge rapide.
On avait déjà des petits à recharge rapide, hein, donc on les connaissait déjà ceux-là, je crois. Donc là, on a deux lignes. Alors, moi, ce que je veux savoir, c'est si je mets ça là. Voilà. Donc, je peux boucher, hein. Et il part de l'autre côté, simplement. Mais ce qui m'inquiète, c'est si je décide de faire ça. Vous voyez, si je décide de mettre un truc là qui rallonge le chemin. Boum, d'un seul coup, il se rend compte que bah, c'est mieux d'aller à droite. Vous voyez, donc, c'est pas simplement il faudra changer ici. Il faudra aussi boucher les possibilités ici. Alors, évidemment, on peut déjà voir que le jaune, il se termine là. Ok, il se termine sur le générateur. Mais le jaune, on peut déjà le décaler aussi. Parce qu'en décalant les deux là, ça le force à passer là. Mais du coup, si on veut le faire passer sur le feu, bah on a déjà un plan. Il suffit de boucher ces deux cases. Donc, admettons que je fasse ça. On peut récupérer les points total, hein. Voilà, donc là, le jaune passe là-bas, on est d'accord. Et là, ce qu'on veut, c'est qu'il ne passe pas là et là. Ouais, bon, ça va être problématique aussi, ça. On veut qu'il fasse le tour, mais vous voyez, il y a des trucs à détruire avant. Donc, admettons. Commençons par là. Le jaune, il arrive là, il descend. Il se fait tirer dessus par des tourelles qu'on aura mis là. On peut pas le décaler pour le moment parce que faudrait nettoyer le tout. Mais admettons qu'il passe là et qu'on a des tourelles, donc ça va. Et il fait ce tour là. Bon, c'est pas énorme, mais notre idée à nous, c'est qu'il fasse un truc comme descendre, passer sur le feu et remonter, et aller de l'autre côté, passer là, redescendre, passer sur la glace et remonter et sortir. Comme ça, il passerait deux fois ici et deux fois là. Donc en gros, faut isoler toutes les parties. Et éventuellement, le forcer même à aller de ce côté en premier. On pourrait faire qu'un double, une double loop. C'est-à-dire une loop, y en a un qui part à droite, qui passe par le gel et le feu là, qui redescend. Ah ouais, on pourrait passer les deux dans les deux. Ça demande du calcul, ça. On pourrait faire un L ici. Ça, on le ferait partir du côté gauche. Et on ferait un L ici. Ça, on le ferait partir du côté droit. Enfin, côté gauche, côté droit, on va dire. Donc là, ça ferait que le rouge partirait là. Ensuite, il devrait revenir par là parce que ça s'est bouché et qu'on boucherait là. Ok, ok, je commence à voir un truc. Donc là, ça serait un L qu'on voudrait faire. Pour les téléporteurs aussi, si j'ai des téléporteurs, on voit. Maigrichon, 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 sprinter. Non, mais là, il y a du chemin. Hein. Les sprinters, je pense pas qu'ils passent tout le chemin. Hein. Ça m'étonnerait. Mais là, j'aime bien l'idée de faire un L, moi. J'aime bien l'idée de boucher le premier passage directement. Mais ce qui voudrait dire qu'on n'a que deux passages et on fera pas aller-retour, aller-retour, vous voyez. On fera pas quatre passages. Ce qui est dommage quand même, parce que pour une fois qu'on a l'occasion de faire quatre passages, ça serait dommage de s'en priver. Mais le problème avec quatre passages, c'est que si on laisse le côté bas et haut, bah, il va toujours choisir le plus court des deux. Vous voyez ce que je veux dire ? À aucun moment, il va se dire, bah, je passe à droite d'un côté et je vais venir de gauche de l'autre. À moins qu'il puisse le faire. S'il le fait, c'est vachement cool. Mais faisons déjà ça. On va essayer de faire les quatre couloirs. Comme ça, on va voir s'il les utilise. Mais là, vous voyez, il ne les utilise pas là actuellement. Mais si jamais on l'empêche de passer là et là, vous voyez, et qu'il est obligé de passer ici, il passera forcément dans les flammes et il remontera là. Ensuite, il passera... il passera pas dans le gel. Il passera forcément ici, parce qu'on bouchera là et là. Il passera forcément ici, et là, il passera dans le gel. Et ensuite, il sortira. Donc, il prendra pas la double taquet, ok? Mais il prendra quand même le feu là. Il reviendra là, il reviendra là, il prendra le gel et il reviendra là. Ce qui fait quand même un bon petit trajet. Hein, parce qu'on utilise ces deux couloirs et ces deux couloirs là.
Donc c'est pas horrible. Mais on va dire, en nombre de couloirs comme ça, il en ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, et il sortirait. Donc on aurait 6 couloirs, et on aurait bah, l'égalité de l'autre côté. Si on fait un L, par contre, en faisant ça, et ça, là, on perd 2 couloirs. Parce qu'on perd ce couloir-là qui ne sert plus à rien, parce qu'il est bouché ici. Et on perd ce couloir qui ne sert plus à rien parce qu'il est bouché là. Mais là, on a le jaune qui fait ce passage. Et donc là, on pourrait techniquement le faire passer par derrière. Et ressortir par là. Bah non, là c'est bouché. Donc ressortir par le centre. Et à ce moment-là, il faudrait qu'on arrive à le faire ressortir par là pour qu'il passe dans les deux. Alors, comment on pourrait faire ça? Faudrait nettoyer pour voir. Mais là, il n'y a pas de cochonnerie, donc on peut faire des tests sur celui-là. Vous voyez, il n'y a pas d'objet qui gêne. Donc, on va faire le test sur le jaune. Et ça sera la symétrique sur le rouge, ok? Donc, si jamais je bouge, par exemple, ça et ça... en diagonale, hein, oui, évidemment. En fait, pourquoi je veux faire la diagonale? Parce que j'aimerais bien faire un espèce de passage central qui soit isolé. Vous voyez, en poussant là, en mettant un truc là, on aurait un passage central, c'est juste une boucle. Mais, je pense que ça ne marche pas, justement. Donc, en faisant ça, on aurait quoi? On aurait le jaune qui passe là. Qui va dans le bleu. Si je bouge là, évidemment, n'importe quoi qui viendrait de ces trois-là ne pourrait plus aller dans le bleu. Mais il pourrait ressortir par là. Pour aller là. Donc le rouge pourrait très bien passer dans le bon sens, comme là. Mais à ce moment-là, il ne faudrait pas boucher tout ça. Il faudrait juste... Il faudrait quand même les amener dans le feu là, hein. Donc il faudrait juste faire un truc. On n'a même pas besoin de celui-là. On pourrait faire un truc carré en fait. Admettons qu'on fasse un truc comme ça. Comme ça on est sûr qu'ils sont obligés de passer où on a envie. Mais ils peuvent venir de n'importe où. Parce qu'on s'en fout d'où ils viennent. Admettons. Et qu'on fasse... Vu que de toute façon c'est bloqué là-bas. Oui, on peut pas boucher, hein, il faut laisser passer. Donc là c'est bon, ça passe là. Et si on fait pareil de l'autre côté, ben le rouge va faire un passage comme ça. Donc le rouge et passe par le bleu, par le rouge. Et si on fait pareil de l'autre côté, il passe par le bleu et par le rouge. Donc ok, on est bon. On est bon sur ça. En fait je pense même qu'on peut le voir en mettant un truc ici, non? Ah merde. En mettant un truc là. Et là. On est sûr qu'il passe là, et ensuite on a juste à boucher les trois du bout, et il passe là. Mais là alors, du coup, ils vont aussi passer par le milieu, de ce côté-là. Vous voyez? Ils vont peut-être se séparer, donc les deux lignes vont être utilisées quand même. Et au milieu là, on peut mettre un ralentisseur, par exemple, au lieu de mettre des trucs. Mais en même temps, est-ce qu'on a besoin de mettre un ralentisseur? Bah pas vraiment. Parce que on peut laisser les échafaudages pour pas que ça crée d'angle mort. Comme ça, toutes nos tourelles qu'on met là-haut... Bah, aurait des angles de tir. Mais c'est vrai qu'avec un ralentisseur au centre, bah, ça nous laisse un peu de marge. Sachant qu'on peut mettre un shotgun ici. Enfin, on peut mettre trois tourelles, disons, au milieu. Et puis s'il y a un ralentisseur, elles serviront à tuer, quoi. Mais je suis pas sûr que les trois tourelles-là soient vraiment une kill zone. Il y aurait celle-là qui serait pas mal. De l'artillerie qui serait pas mal s'il y a du ralentisseur au centre. Mais c'est surtout ici qu'on veut tuer, hein. Mais point de vue du chemin, du coup, qu'est-ce que ça ferait? Bah, ça ferait un demi, ce côté-là, 1, 2, 3, 2, 3, ça dépend si ça passe là ou là-bas, on s'en fout. Et ça ferait forcément 3, 4. Donc au lieu d'avoir 6 demi-passages, on en aurait que 4. 1, 2, 3, 4. Et on arrive au deuxième truc.
Et donc là, évidemment, c'est un, 33% moins, plus rapide. Ou une fois 0,5 plus, plus lent. Ce qui fait que c'est pas forcément mieux. Mais il y a un avantage, c'est qu'il passe dans la glace et dans le feu des deux côtés. Et ça, c'est quand même vachement cool. Parce que s'ils passent dans le feu des deux côtés, ils vont brûler. En sortant du feu là, ils vont brûler pendant une période quand même assez longue. Et ensuite, ils vont retomber dans le feu, ils vont rebrûler durant la dernière période de passage ou dans la période dans l'autre sens. Hein, ce qui refait la même chose. Donc ils auront bien l'occasion de brûler deux fois sur un seul trajet. Et ça, je pense que c'est létal. Hein. C'est vraiment létal. Sachant qu'ils seront ralentis ici de toute façon. Ce qui veut dire qu'il y a même une kill zone ici. Par défaut, même si on met qu'une tourelle de merde. D'ailleurs, est-ce que le panneau là ne gêne pas le tir si on met pas une hauteur? Ça, c'est un truc à savoir. Et on a aussi un autre gratuit là-bas. On pourrait mettre de l'artillerie ou des trucs, mais je pense que. Je pense qu'on n'a pas ce qu'il faut nous. Hein. Donc, on peut laisser la construction. Elle est pas mal. Elle allonge quand même et elle fait passer par les deux endroits sympas. Et on va laisser comme ça. Par contre, il nous reste que 200 d'or. Donc je pense que si jamais on veut faire ça, tout l'or qu'on doit créer, c'est avec... If you say so. C'est un peu casse-gueule quand même. Hein. Ouais, c'est même un peu trop casse-gueule là, je dirais, pour le moment. De faire ça. Pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir dépensé tant que ça. On a dépensé quoi, 6 ? Et 2. Et 6. 6, 12. 12 x 15. Ouais, ok, ouais. On n'avait pas 1000 hein, sur cette map. Ok, ok. On va quand même faire ça. On va essayer. On va essayer de lancer comme ça. Et si ça marche pas, on relancera différemment. Je vais quand même mettre une tourelle à l'endroit où ça peut être le plus sympa pour le moment. Je pense devant le truc de gel là. Et je vais quand même mettre une hauteur, même si ça veut dire qu'on est à 1,2, 1,3, plus la tourelle. Et on va augmenter les dégâts. Voilà, alors c'est parti. On va faire un rush, on va faire deux rushs. Ouais, alors je suis violent de faire un rush en plus, mais il faut qu'on ait des sous. Pour augmenter les dégâts de lui. Allez, faut qu'on l'augmente au moins une fois. Hein. Ah, le poison, le poison, le poison, ok. Donc le poison et les flammes, oh là là, ça va le faire, regardez-moi ces AOE. Par contre, 140, ouais, l'or, il monte pas super vite. Parce que ça tue pas vraiment là, hein, pour le moment. Voilà, là, en augmentant les dégâts, c'est bien plus fort. Et là, évidemment, la tourelle fait un carton. Parce qu'elle est EP. Alors, est-ce qu'on ferait pas une deuxième tourelle tout de suite, histoire de... Pour le moment, je pense qu'il faut jouer la sécurité. On va faire des petites tourelles, juste pour accumuler un peu de sous. On va rusher une vague de maigrichons. Mettre la tourelle là. Et augmenter les dégâts. Ah oui, il se déplace aussi, le bordel. Alors, pour le moment, on est d'accord, tout le monde va là-bas. Attendez, hein, je me suis pas planté. Non, non, tout le monde va là-bas. Mais personne n'est passé pour le moment, hein. Allez, du poison là, oui, joli. Joli. Ça c'est beau parce que ça va empoisonner. Vous voyez, le poison il reste même quand le poison disparaît. Donc ça c'est un truc à prendre en compte aussi. Et là ça ralentit bien. Ok, là-bas il faut mettre les tourelles, pareil. On va faire la même chose, mais simplement pour nettoyer. Merde, raté. Ok, heureusement c'est gratuit. Hop. Et on va évidemment détruire tout ça. Ma question c'est, est-ce qu'il n'y avait pas un gros truc sympa qu'on aurait pu faire? Non, il n'y a pas un gros container à détruire. Hein. Voilà, et là ça va faire les avions. Alors vous voyez, ceux-là sont à deux doigts de pouvoir passer, hein, parce que la sortie elle est juste là. Hein. Donc il y a quand même une petite tension, parce qu'on n'a pas encore développé comme il fallait. Hein. Voilà, il met du poison partout en se baladant, en allant construire les trucs, donc ça c'est plutôt sympa. Par contre, évidemment, ça régénère. Mais je pense que le poison, justement, même s'il ne les tue pas, il empêche la régénération. Et ça, c'est déjà bien.
Ah, et puis nos tourelles sont EP. Compléter les échafaudages. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Non, on s'en fout des échafaudages. Alors attendez. Ici, est-ce qu'on a pu créer le bordel? Bah non, parce que ça, c'est pas détruit encore. Mais on peut créer une autre tourelle. Est-ce qu'on se fait de l'artillerie? Parce que l'artillerie, je la vois bien là-dessus. Hein. Là, dans le coin là et dans le coin là, je vois bien deux artilleries, moi, perso. Mais le problème, c'est que l'artillerie ne tirerait pas dans les killzones. Tirerait juste dans les couloirs. Parce que je pense qu'il serait dans la zone morte. L'autre moyen, c'est de mettre une artillerie centrale. Mais à ce moment-là, je pense pas que ça atteigne non plus. Quoique. Ouais, ça atteindrait la killzone, peut-être. Mais il y aura tellement d'autres cibles que je pense que ça marcherait pas au centre. Mais voyez, ici, c'est pas horrible. Le problème, c'est que la killzone dans le rouge, bah, c'est un peu gâché. Par contre, il pourrait tirer là. Celui-là pourrait tirer là et celui-là pourrait tirer là. Ah, c'est tentant, hein. C'est tentant. On a combien? On a 361. Je pense que pour le moment, on va laisser. On va augmenter les dégâts des tourelles. Parce qu'elles sont sur les cases de boost de 20%. 20% de cadence de tir, de dégâts, de tout. Hein. Donc là, on est bon. Sur les dégâts. On laisse courir. Et on attend qu'ils aient bien nettoyé ça. Pour qu'on ait au moins les deux cases de feu qui tiquent sur tout le monde. Donc là, l'idée, c'est de faire... Oh, en plus, on a le copain qui est là, c'est génial. Voilà, et là, on peut la dévier pour aller dans le gel. Et dans le gel, tout de suite, c'est plus calme. Hein. Ensuite, hop, on se fait les 4 pour aller dans le feu. Et là, déjà, on améliore un petit peu la distance. Par contre, j'espère que ça va pas passer. Le Vichy est au bon endroit, hein. Il est bien au centre. Faut juste surveiller que ça déborde pas. Et puis, est-ce qu'on veut ralentir plus? Bah, on pourrait, techniquement. Alors, on pourrait comment? On pourrait ralentir en mettant une case au centre. On pourrait mettre une case, vous voyez, sur ces deux cases-là, plus ces deux-là. Et mettre un ralentisseur. Ça ralentirait aussi le milieu ici. Juste après le ralentissement du gel. Eh, c'est pas horrible, hein. Ça demande un investissement quand même, pas négligeable. Je pense que ça pourrait le faire, de faire ça. Eh, c'est pas mal. Franchement, c'est pas nul. Faudrait peut-être augmenter la taille, par contre, pour que ça touche l'autre côté. Parce que ça toucherait que le rouge et le jaune à l'aller. Mais de l'autre côté, on pourrait faire la même chose. Et ça ferait l'inverse. Donc ça resterait équilibré. 325, par contre, ça me paraît être un lourd investissement. Hein. Je sais pas si je préfère pas faire deux tirs d'artillerie. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quoi qui arrive? Des sprinters, des gringalets, des maigrichons, des gringalets, des sprinters. C'est que des trucs fragiles. Hein. Franchement... Ça veut dire beaucoup de monde et peu encaissant. Hein. Donc de l'artillerie serait peut-être mieux que du ralentisseur. Quoique, c'est pourquoi ça? Fort contre cible multiple rapide. Ah ouais. Ouais, c'est quand même un petit peu le concept là. Alors attendez, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah. Alors. C'est marrant parce que, vous voyez, on n'a même pas besoin de rajouter la case là. Ils font déjà le tour. C'est pas étrange ça? Est-ce qu'on veut être sûr qu'il n'y ait pas une connerie? Alors, déjà, c'est en diagonale. Ouais, ok. Non, on va la mettre quand même, parce que ça me... j'ai absolument pas confiance. Par contre... Ouais, on va le faire, hein. Je sais pas si c'est une bonne idée. Franchement, ça m'a l'air... Bon, après, c'est pas un gros investissement à long terme. Parce qu'à long terme, on fait un ou deux upgrades maximum sur ce truc. Donc ça devrait pas poser problème. Voilà, il va ralentir, il n'y a pas besoin de vraiment augmenter les trucs. Hein. Donc on va en faire un de l'autre côté aussi. Ça, on a vraiment deux kill zones ralenties. Et on a détruit ça, tout est bon. Et tu repars dans l'autre sens. J'aime bien l'idée qu'il se balade et qu'il tue tout sur la route. Hein. Notre Vichy là. Ok. Ouais, le poison, ça c'est cool. Alors regardons un petit peu celui-là, là, assez lent. 101, 100, 99, vous voyez, ça descend petit à petit.
Mais au lieu de régénérer, ils perdent la vie, à cause du poison. Et le poison, j'ai l'impression qu'il dure bien plus longtemps que la zone de poison elle-même. Vous voyez ? J'ai l'impression qu'elle dure le temps des dégâts. Ce qui fait que, ben, elle compense largement sa durée, quoi. Ok, alors maintenant. Il n'y a rien qui passe, hein. Pour le moment. On va refaire un petit rush, juste par principe, pour voir si, où on en est. Et maintenant, l'idée, c'est de... De voir si on peut pas boucher un passage parmi les deux. Est-ce que je détruis ça pour mettre un ralentisseur aussi? Ou est-ce que je commence à mettre de l'artillerie? Non, je crois que ça, on commence à mettre de l'artillerie sur le côté qu'on veut, c'est-à-dire le gel. Donc pas collé au gel, évidemment. Ok. Et là, on peut augmenter de un niveau chacun. Projectile. Projectile, ok. Ça a l'air pas mal. Alors j'ai peut-être poussé. Oh ouais, non, attention. J'ai fait une connerie parce que ça régénère beaucoup de shield, hein. 400 de shield, 1 de santé, vous voyez, 1 point de vie ils ont. Donc en gros, le shield va régénérer trop vite. Même si on met du poison. Du coup, comment on va les tuer? Bah, les tourelles. Ok, on va augmenter quand même les dégâts. Parce que c'est bien beau de ralentir, mais si on n'a pas les dégâts, ça sert à rien. Surtout si ça régénère. Ouais, en fait, c'est notre... Ouais, il y a le poison qui va... Mais le poison ne fait pas des dégâts directs, hein. Le shield empêche le poison. Ouais, donc en fait, le shield est vraiment horrible contre le poison. Par contre, l'artillerie, je pense que ça sera pas mal. Et... Oh, l'électrique. Ah bah oui, l'électrique, évidemment. Parce que l'électrique, ça fait plus de dégâts contre les shields, 200% contre les shields. Même si ça fait pas des gros dégâts de base, de se multiplier par deux, ça fera le taf. Voilà, l'artillerie fait le boulot aussi. Ok, j'aime beaucoup. Le rush nous a pas tués, c'est déjà ça. Projectiles, ils ont pas réussi à passer, on a 14 minutes pour 10 vagues. Ouais, c'est large, hein. 3 missiles... j'aimerais bien mettre deux autres artilleries, mais vu qu'on a mis pas mal de tours, je vais améliorer la portée de ce truc. Non, la probabilité de gel, non plus. La santé, ah, si jamais on a des unités qui prennent des dégâts. Bah là, ils sont plutôt à l'abri parce qu'ils sont éloignés du, vous voyez, du truc central. Si on voit que les générateurs de ralentissement prennent des dégâts, on augmentera leur point de vie, simplement. Et là, maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est de voir... Parce que la ligne jaune, vous voyez, elle fait ça, et elle passe au milieu. Et ensuite, elle refait tout le tour là, et elle passe là-bas. Mais est-ce qu'on n'aurait pas intérêt qu'elle passe tous ici? Genre boucher un côté, quoi, tout simplement. Peut-être pas, hein. Ouais, ok, il meurt quand même. Ok. On va augmenter Vichy. Bon, alors là j'ai été un peu violent parce qu'on a claqué tout l'or, mais je pense que c'est pas une mauvaise idée d'avoir le truc central pour avoir un très beau backup. L'artillerie c'est cool. Ah, il va y avoir des tortues, mais on a aussi le vortex. Alors ce qu'il faut surveiller pour pas perdre cette partie, c'est les lignes. C'est la ligne jaune ici. Parce que s'il y a des monstres sur cette ligne, ça veut dire qu'il s'est pas loin de la sortie, hein, finalement. Ou alors, regardez ceux qui vont dans ce sens-là, mais bon, voilà. Et ceux qui sont sur cette ligne-là. Donc en fait, les deux lignes du centre, c'est là l'indice si jamais on n'arrive pas à retenir l'ennemi ou pas, en gros. Hein. On a de la OE, on a du vortex. Le vortex peut être utilisé sur le ralentisseur. Franchement, je sais pas trop, hein. Je sais pas si ça fait des dégâts depuis là. Je vais le mettre derrière le ralentisseur là. On va voir s'il arrive à s'alimenter et tout ça. Et on essaiera d'en coller un deuxième de l'autre côté, hein, pour équilibrer. Voilà, alors augmentation des dégâts et augmentation des dégâts de l'artillerie. J'ai l'impression qu'on a un peu de marge. On va mettre une deuxième artillerie, même si elle va être beaucoup moins efficace, j'imagine. Vu qu'elle va tirer quand ils vont passer le ralentissement. Mais ça fait quand même un beau doublon.
qui a l'air cool. Oh, c'était quoi ce tir? Alors le vortex, est-ce qu'il est en train de mourir? Non, j'ai l'impression qu'il touche hein, quand même. Allez, un poison là. De toute façon, ils sont immunes, ah oui, c'est vrai. Ok, il faut augmenter évidemment les projectiles. Et là aussi, et là-bas aussi. Nice. Ok. Est-ce qu'on rush un peu? On est à vague 16, il reste 11 minutes, on en a 25. Allez, on va juste en faire une. De toute façon, on a que des upgrades à faire maintenant, je pense pas qu'on ait besoin de faire autre chose. On va mettre un vortex ici parce qu'on en a mis un de l'autre côté, il n'y a pas de raison de pas équilibrer. Il est toujours vivant là-bas, hein. Il est toujours vivant parce qu'il gagne à chaque fois qu'il y a une nouvelle vague. Et quand je fais un rush, ben ça l'alimente en fait. Artillerie, dégâts. Artillerie, dégâts. Donc là, on a la même artillerie des deux côtés. Et mon devoir, si les deux touchent... Ah, ça fait des trous, hein. Ouais, et plus on va augmenter les dégâts, mieux ce sera. Ok. Vous voyez la kill zone là-bas qui ralentit? Je pense que le vortex va perdre à un moment donné. Mais les deux vortex, c'est vachement aussi, hein. Alors, est-ce qu'on veut du shotgun au centre? Bah, nos shotguns ne sont pas améliorés, donc pour le moment, je dirais non. Cadence de tir de nos petites tourelles, on s'en fout. Cadence de tir des... Ouais, des dégâts surtout de l'artillerie. Parce que l'artillerie fait tout le boulot, là. Ah, les vortex ont l'air... C'est une capacité spéciale du perso, mais qui dure une plombe. Regardez, lui, il est en train de mourir. Mais si jamais quelque chose va dessus, est-ce que ça le reboosterait? Ouais, ça le rebooste. Vous voyez, il regrossit. Par contre, je sais pas combien il reste de dégâts à coller. Vous voyez, il inflige pas tant de dégâts. Mais sa santé réduit, mais elle remonte. Parce qu'il passe à côté. Ah, par contre, il a déjà fait sa quantité de dégâts. Vous voyez, le 16 000 va augmenter là. Quand la vague va passer, par exemple, si je rush une vague. Normalement, ça devrait lui donner plus... 5200, 16000, non ça monte pas. C'est censé monter, alors c'est à la fin du truc là. 16000, ouais je sais pas. La description dit que c'est censé monter. Hein. Alors attendez, on a plein de sous, il faut les dépenser. Dégâts, dégâts. 500 et 500. Et là-bas on a combien? 500, 500, ouais bah c'est bon. Ouais, on a 400 dessous. Oh, je vais quand même augmenter un peu la cadence de toutes les tourelles. Juste histoire de... Parce qu'elles sont quand même sur un... Elles ont un plus 30% de dégâts. Et elles sont sur un truc qui augmente de 20% encore. Hein. Donc c'est loin d'être des tourelles de merde. On peut se permettre d'augmenter un petit peu la cadence. Les vortex sont toujours vivants. Là-bas, il est mort. La réparation, on n'en a pas eu besoin. Et pour le moment, je dirais que tout roule. Eh ben, on est bien. Ouais, vous voyez le Vichy qui est au milieu là. Il cartonne un petit peu de chaque côté, mais les poisons, je pense que les poisons jouent beaucoup quand même dans l'équation. Et lui, il n'a jamais régénéré quoi que ce soit là. Il est en train de fondre du début à la fin. Et il continue à fondre là. Hein. Ah, voilà, maintenant il commence à régénérer, mais il est au niveau de la tourelle. Là par contre, un poison aurait été vachement cool. Hein. Heureusement qu'on a les tourelles. Alors, taille d'explosion, non. J'aimerais bien mettre un truc au centre, j'avoue. Mais un petit double shotgun. Alors, le shotgun, l'avantage, c'est que il toucherait déjà les troupes en partance. Mais il toucherait aussi les troupes qui essayent d'arriver. Le problème, c'est que j'ai peur que là, toutes les unités, elles régénèrent trop. Et que du coup, on se retrouve à tirer dessus, qu'elles régénèrent. Et que ça passe pas. Mais avec le Vichy à côté, je me dis que le Vichy elle fait exactement ça et elle régénère pas tant que ça, hein, à cause du poison justement. Donc peut-être que ça peut passer. Hein. Écoutez, on va remettre un vortex là en attendant. Et on va y réfléchir parce qu'on a 1000 d'or là. Hein. Ou alors 500.
500. Voilà, on va faire l'artillerie. Restons sur ce qui marche pour le moment. Ok, on a mis le vortex. Et ce serait bien d'augmenter la jauge de QI pour pouvoir en lancer plusieurs en même temps. Vous voyez, il passe même pas dans les deuxièmes flammes. Pour vous dire à quel point on est en avance là. Je veux pas rusher parce qu'on a le timer. Ouais, on peut faire un petit rush quand même, mais vous voyez, on n'est pas du tout à la bourre là. Hein. Joli poison. Surtout que c'est un rush de... Ouais. Artillerie. Oh, c'est beau. On vient de redépenser 1000. Arrête avec l'échafaudage là. Tu m'emmerdes. Ah, c'est trop fort. Le ralentissement, il fait vraiment une kill zone de fou. Hein. Limite, cette tourelle, on aurait dû la mettre à côté, on s'en fout. Elle aurait pas eu le bonus, mais. Osef. Alors là, évidemment, l'attaque électrique, c'est horrible hein, sur les shields. Et là, le vortex qui tient. Ouais, il faut en remettre un là, c'est tout. Ouais, le vortex, c'est spécial parce que tu veux pas être dépendant d'une capacité. Spécial de Vichy. En fait, on veut pas être dépendant de ça. Mais de temps en temps, c'est sympa de mettre une explosion pour sauver une situation. Mais si tu sauves une situation, ça veut dire que tes tours sont pas assez fortes pour retenir les ennemis. Et si c'est pas assez fort pour retenir les ennemis, cette situation pourrie, elle va se reproduire. À chaque vague, en fait. Mais quand tu mets un vortex, tu augmentes la puissance de tes tourelles. Pourquoi ? Parce que tu stoppes. L'événement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si tu stops l'événement pendant que les vortex sont là, une fois qu'ils disparaissent, bah t'es forcément derrière, parce que probablement que tes tourelles sont pas assez fortes pour retenir l'armée ennemie. Donc le vortex, c'est à double tranchant, ça te donne un faux sentiment de sécurité, comme quoi ça passe pas. Et puis au moment où le vortex s'arrête, bah d'un seul coup ça passe trop. Je suis pas fan de cet usage. Alors, tourelle sniper. Ah, c'est une tourelle à 4. Ah, on pourrait la mettre là. Oh, regardez-moi la portée de ce truc. Ah, attendez. Ah ouais, la portée du truc. Ouais, on va faire ça. On va mettre une tourelle sniper au milieu pour la tester. Alors, enlever les trucs, ça n'a rien changé à la situation d'ailleurs. Petite note pour plus tard. Par contre, elle va se tourner sans arrêt à droite et à gauche. Est-ce qu'on n'aurait pas meilleur temps de ralentir, sérieusement? Ouais, mais plus il y a d'ennemis sur la map. Ah, les snipers, on pourrait les mettre en haut et en bas. Sur les trucs augmentés. Ok, alors on va faire ça. On va mettre ça là. Et c'est ici qu'on va nettoyer et mettre du snipe. Ouais, d'ailleurs, on aurait dû faire de l'artillerie là. Parce qu'elles avaient des bonus. J'y ai pas pensé, mais l'artillerie sur les côtés, j'aime bien aussi. Hein. C'est peut-être les snipers qu'on aurait dû mettre sur les côtés. Ok, deux snipers. Et on va regarder un peu comment ça réagit. Dégâts, cadence de tir, visée, portée. Visée, ah oui, parce que ça va rotate tout caca. Par contre, les snipers, ça devrait assez bien tuer tout ce qui est assez tanky. Hein. Ah, ok, il prend des énormes taquets. Ok, c'est violent le sniper. Surtout amélioré, hein. Alors, on va augmenter la cadence et les dégâts une fois. Et je pense que ça devrait suffire pour être une bonne addition. Par contre, ça tire sur le plus fort. Donc, ça évite les autres tirs. Hein. Et eux, ils tirent l'angle de visée. Donc, ça tire très aléatoire. On va augmenter l'artillerie quand même à fond. Ça coûte 600 maintenant. Et on est d'accord que les deux colonnes du milieu, on voit personne y passer. Hein. Donc pour le moment, bah augmenter la portée, ça sert à rien. Probabilité de gel. Ouais, si on gèle en dessous de Vichy, ça sera pas mal. J'aimerais bien boire du poison. Avant que les petits passent trop. 25, il nous reste 3 minutes. Ah, on va rusher un petit peu. Vu qu'il restait pas grand chose. C'est juste accélérer un peu. Les tourelles, les petites, on va les finir aussi.
L'artillerie, on a dit 600, on est à 400. Finissons les petites alors. Voilà, max. C'est bizarre de pas avoir mis plus au milieu quand même. Là. Ouais, mais non. Ah non, on les stoppe au ralentisseur. Hein. Ouais, les snipers, j'aime bien. J'aime bien l'idée parce que je suis sûr que quand on va avoir des problèmes au milieu, quand ils vont réussir à passer les ennemis, c'est les snipers qui vont stopper les plus forts. Pas ceux qu'on n'arrivera pas à arrêter. Augmentation de vitesse de visée, augmentation de la portée. Non, la portée, ça a l'air même un petit peu overkill. Cadence de tir, ça peut être cool. Parce que les dégâts... ça fait du 500 de dégâts, hein. Cadence. Merde, c'est pas ça que j'aurais dû augmenter tout de suite, mais bon. Fallait finir l'artillerie d'abord. Mais j'aime bien les snipers. Parce que là, on a des grosses tortues quand même, on a des shields. Et tout ce qui est petit meurt trop vite. Dans les zones là. Ça fait 152 de dégâts le feu. Et ils arrivent même pas à passer dedans. Hein. Et ils le prennent deux fois. Hein. Donc là en fait, je pense que c'est bon. Même si on rush à fond. Parce que y a pas moyen qu'ils passent les deux zones de feu, je pense pas. On va sacrifier un vortex direct. Alors l'idée c'est de pas déplacer Vichy hein, surtout. Mais comme ça le vortex il mange direct là-bas. Et il va vite éclater vu qu'il va gâcher tous ses dégâts. Mais vu qu'on est sur la dernière vague, bah c'est le maximum de dégâts. Hein. Ah il a quand même sauté super vite. Hein. Alors, ah il attaque notre. Ok, donc là il y a des gros. Hein. Et les gros se prennent les snipes. Donc ça c'est une bonne nouvelle. L'artillerie, on va la maxer. On a 540 d'or. Là, il prend des dégâts, notre... Ouais, mais en même temps, s'il tire sur les petites tourelles, on s'en fout. Ah ouais, elle va crever. On va améliorer la santé un petit peu. Juste pour qu'elle protège les snipes, enfin les grosses tourelles. Et là, on va augmenter la santé un peu. Bon, c'est fini, là-bas. Et ben voilà. J'ai encore du mal à accepter le fait que tu existes. As-tu entendu parler des trois lois de la robotique? Tu ne deviendras point Skynet, tout ça. Attention, hein, je suis impressionné, le génie qu'il a fallu pour te créer. Et pourtant, paradoxalement, à l'absence totale de règles basiques de garde-fous, soupire, pourquoi les génies sont si stupides? Erreur, première loi de la robotique, je suis un robot, point virgule. D'accord, essayons de parler dans ta langue. 01010100001100001. Bon, je vais arrêter parce que vous allez me prendre pour un fou. Bip bip. Waouh, c'est le truc le plus ignoble qu'on m'ait jamais dit. Alors on pourrait traduire, hein. Si vous savez, vous pouvez faire un copier-coller, aller sur un truc de traduction de binaire et puis et vous aurez ce que ça veut dire. C'est le truc le plus ignoble qu'on m'ait jamais dit. Si t'avais une langue, je te dirais bien de te tourner cette fois dans ta bouche si t'avais une bouche. Gwell. Ok, donc on a réussi le chrono, on a réussi le tuer les relous, on a des nouvelles tourelles, on en a eu deux, hein. Alors, rayon focus inflige de plus en plus de dégâts sur le fil de temps, alors qu'il reste fixé sur la même cible, il tire continuellement sur la même cible jusqu'à la perte du visuel ou la destruction de la cible. Ok, ça c'est un rayon laser pour tuer, vous savez, les cuves à la con. Parce que regardez, ça coûte 140, et ça se focus sur une cible et ça la perfore jusqu'à ce que ça meure. Et il fait de plus en plus de dégâts au fil du temps. Donc c'est nul sur les trucs qui bougent. Mais ça coûte tellement pas cher. Fort contre les puissants lents, cible unique. Rapide sur les cibles multiples. Donc voilà, ça c'est vraiment... regardez, 140. Par contre, c'est vrai que c'est un peu cher, hein, l'autre. La sniper. Mais la sniper, elle fait très mal sur le monocible, comme l'autre. Mais elle peut en plus avoir une cadence de tir. Elle peut tuer aussi les moyens. Alors, fort contre puissant rapide. Puissant rapide. Cible unique. Ah, c'est marrant, ils mettent pas puissant lent. Faible contre faible cible multiple. Ouais, donc oui, elle fait pas d'AOE, c'est sûr. Ok, j'aime beaucoup. Mais il y a quand même une taille d'explosion, regardez sur le snipe. Taille d'explosion 0,35. Donc s'ils sont plusieurs dans la zone, elle fait quand même des dégâts sur le groupe où elle tire. Hein. Ah, c'est marrant. Moi, j'aime bien. La cadence de tir 0,2, ça veut dire un tir toutes les 5 secondes. C'est pas beaucoup, hein. Un tir toutes les 5 secondes, c'est quand même assez light. Mais vu qu'on peut l'augmenter pour pas trop cher aussi,
En fait, le coût d'augmentation des snipes, on a vu que c'était deux fois, environ deux fois de celui d'une tourelle, hein, 130 au lieu de 160. Donc 120, c'est deux fois, ouais, un peu plus que deux fois. Ouais, j'aime bien la sniper. Par contre, ouais, l'artillerie. Hein. L'artillerie, je pense que c'est vraiment ce qui nous carry le mieux. Les dégâts électriques sur la tourelle. Alors là, je pense que le dégât électrique sur tout ce qui était shield, c'est passé. Mais ça n'explique pas quand même pourquoi ils ont été stoppés là. Alors qu'ils auraient dû prendre le feu, faire tout le passage, reprendre le feu et éventuellement être stoppés là. Vous voyez, à un moment donné, il y aurait quand même eu re-kill zone ici. Mais dans l'autre sens. Une fois qu'ils ont passé la première kill zone là-bas. Mais en ayant pris deux vagues de feu sur la route. Et là, là, il n'y a quasiment aucune unité qui a pris les vagues de feu. Hein. Il ne doit pas y en avoir beaucoup dans la partie. Donc on les a vraiment trop stoppés. Et vous voyez, pourtant, on a réduit à 4 le nombre de trucs qu'ils doivent parcourir. Hein. Une demi, une demi, une demi, une demi. Et ça faisait que 4. Alors qu'au début, on pouvait faire un passage à 6. En faisant tout le truc, même à 8, hein, si on avait trouvé le chemin. Ce qu'on n'a pas trouvé, mais vous avez compris. En gros, il fallait boucher que 2, que 2, que 4. Ouais, on aurait pu trouver, je pense. Il y avait probablement un moyen. Mais là, vous voyez, c'est difficile de laisser les deux ouverts. Ouais, non, au maximum, ça aurait été 4 et 2, 6. Ouais, c'est ça, 6. Mais les deux L, c'est ça l'effet qui se coule. On aurait pu mettre des shotguns, mais je pense que là, c'était vraiment cool d'avoir les trucs sur les latérales. Donc, on va passer à la suivante. On va aller ramasser notre artefact inhabituel maintenant. Alors, les niveaux d'artefacts, je pense qu'il y en a pléthore. Hein. On peut récupérer 10 000 essences, juste pour EP1 qu'on a déjà, mais vu que c'est tout inhabituel, maintenant, on a envie d'avoir des nouveaux. Hein. Alors, tir multiple sur Vichy, ça sert à rien, on l'avait déjà vu. Mais par contre, le... Oh putain, 20% de dégâts, 15 de portée, 5 de vitesse, 4 de cadence de tir, et ça augmente la portée de l'artillerie. Ils sont méchants, hein. Ils sont vraiment méchants. Non, on va pas prendre ça. Onde de choc enflammée se déclenche lorsque le rayon s'achève. Rayon focus, onde de choc enflammée. Ça voudrait dire qu'il y a 20% de chance que quand le rayon s'arrête, que ça fasse une AOE de feu qui fasse 200% des dégâts de l'arme. Mais vu que les dégâts de l'arme augmentent avec le temps, est-ce que c'est pas la méga combo ultime? Si les dégâts augmentent avec le temps de cette arme et que l'onde de choc prend le dernier dégât comme référence, vous vous rendez compte que ça pourrait être complètement absurde. Non, je pense pas. Hein. Ça serait dingo quand même. Masse sismique, dégâts 4%. Rayon focus, dégâts 20%. Rayon focus, portée 20%. Ok, c'est fort. Hein. C'est fort quand même. Sinon, onde de choc enflammée. Ah bah c'est pareil. Rayon focus, portée. Rayon focus, dégâts. C'est le même. Ah non, 10% pour réparer de nanobot. Ou alors masse sismique, 4% de dégâts. Et ben franchement, masse sismique, c'est pas mal parce qu'on en a aussi un. Mais si l'onde de choc, c'est sur le dégât initial, c'est naze. Hein. Et qu'est-ce qu'on va virer? On va devoir virer un blaster. Bon, le tir multi. Rien que pour augmenter de 20% les dégâts de Vichy, ça serait déjà incroyable. Hein. Sans même parler d'effet spécial. Hein. Et tir multiple, ça augmente le nombre de poisons, si jamais on garde le poison aussi. Vous voyez le truc? Oh, aïe, aïe. Oh, c'est dur. Non, il est dur le jeu là. Parce qu'évidemment, booster Vichy, c'est incroyable. Enfin, Dean. Hein. Mais ça serait vraiment incroyable, ouais. L'autre option, c'est de virer 5% de puissance d'artefact pour retirer tout. Mais non, je pense qu'il faut, qu'on voit. Il faut qu'on voit si ça marche. La masse systémique, ça m'intéresse un peu mieux que les nanobots. Donc on va prendre celui-là. Mais là, vous voyez, on a un choix cornélien. Parce que le slashing ruined cap va très bien avec le bioconductive relay maintenant. Donc on est en train de se créer une combo rayon laser plus AOE. Vu que ça c'est nul contre les petits et que ça c'est vachement fort contre les petits. Vous voyez, ça peut comboter ensemble et ça booste ça. Ça booste l'artillerie. Donc c'est bien parce que c'est aussi anti-petit. Donc on aurait de l'artillerie et des pilonneurs qui ralentissent les troupes.
Donc ça fait une espèce de killzone combo, hein. Et on aurait un anti-gros, si jamais il nous balance des gros pour tuer les gros. Et en plus, un anti-gros qui, quand il arrête son rayon, il fait une vague de feu qui brûle bah, tout ce qu'il y a autour. Mais il faut savoir si la vague est puissante ou pas puissante. Et ça, on le saura très vite. Si on voit que la vague de feu, elle brûle, et que les ennemis continuent à avancer et meurent pas, bah, on saura que c'est pas combo. Et si jamais il meurt instantanément au bout de quelques mètres, bah, on saura que les dégâts, c'est basé sur les derniers dégâts de l'arme. Mais on le saura que si jamais on peut bien voir les dégâts infligés, quoi. Ouais, 200%, si c'est vraiment ça, c'est fou, hein. C'est fou. Parce que je pense qu'on verra l'augmentation de dégâts au moment où on l'utilisera. Donc on va dire, ok. Par contre, ça veut dire qu'il faut enlever deux autres, hein. Et je ne sais pas ce que j'ai envie d'enlever. Le nuage toxique et les 25% de dégâts de Vichy, je suis pas sûr. Par contre, est-ce qu'on vire l'électricité? C'est le plus vieux qu'on ait, mais c'est 20% de dégâts sur les blasters. Ou alors on vire le tir multiple, l'espèce de shotgun. Mais le shotgun, mine de rien, c'est incroyablement fort. Hein. Parce que tous les 5 tirs, t'as 2 tirs de plus. Ce qui fait 7 tirs par tous les 5 tirs. Ah ouais. Ce qui augmente de... Bah, tous les 100 tirs. Ça fait 20. 20 fois 2, 40. 40% de dégâts en plus. Bah, ça fait 40% de dégâts en plus. 20% plus 2 fois 2, quoi. Ok. Et puis ça augmente les dégâts de toutes les tourelles de 1% aussi, hein, de tout, hein, de 1%. Bon, c'est un détail, le 1% de tout, mais c'est le détail rigolo quand même. Sismique. Ouais, on pourrait virer les deux tourelles et puis passer à ça et ça, mais vous voyez, là on va vraiment pas devoir jouer avec les tourelles. Hein. En fait, ça va dépendre de la prochaine map. Je dirais que, en fait, on devrait rien activer. On devrait garder tous les artefacts qu'on peut. Et puis on devrait gérer. Mais là, on peut aussi augmenter les artefacts qu'on a. Parce que ça, on a 12 000. Hein. 20 000, 20 000, 35 000, 20 000. Ah bah non, ils sont trop forts déjà. Ah oui, c'est un peu le problème des gros artefacts, c'est qu'ils coûtent cher à augmenter aussi. Mais voilà. On voit bien que les deux là sont plus petits. Hein. 10 000, 10 000, 11 000, 21 000, 20 000, 10 000. Celui-là encore, il paye pas de mine, mais celui-là, il a une combo intégrée tout seul, donc très tentant de l'utiliser quand même. Donc on verra ce qu'on équipe selon quand on aura analysé la carte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder juste un petit peu, comme ça je pourrais y réfléchir avant de tourner la deuxième vidéo. Donc en gros, des monstres qui arrivent de par là, des monstres qui arrivent de par là. Si on bouche rien, c'est un accès direct à la sortie. S'il y a des téléporteurs, ben, c'est en trois coups, ils sont à la sortie, donc c'est mort. Non, il y a ce petit coin là. Il y a une kill zone ici. Le problème, c'est qu'on peut pas mettre de truc à 4 parce qu'il y a l'angle. Le trou. Ce qui est un peu dommage. Mais on peut faire un truc à 4 d'un côté et pas de l'autre côté. Ouais. On a aussi ça. Et on a. Oh, on a un joli passage dans du feu et de la glace. Donc en gros, on peut faire une kill zone ici. Mais ça, il faut le détruire avant. Donc en gros, il faut enlever les parapets pour qu'ils passent par là. Comme ça, tout du long. Ouais, admettons. Et on aurait deux tourelles simples qui tireraient pendant ce temps-là. Est-ce qu'on peut mettre un ralentisseur quelque part? Bah non, toujours à cause du trou, vous voyez, il permet pas un truc à 4. Parce que si on met un truc à 4, bah ça bloque le passage complètement. Le seul ralentisseur qu'on aurait pu mettre, c'est là. Ou là. Mais évidemment, si on fait ça, si on bouche ici, il va faire tout le tour. Ce qui est pas si mal, hein. L'autre option, c'est de boucher ici. On bouge directement à l'entrée. Pour que ceux qui viennent de la ligne jaune soient obligés de passer dans des téléporteurs. Et d'aller là et de remonter de l'autre côté, en gros. Donc ça, je pense que c'est un des trucs les plus simples à faire pour que une ligne soit pas du tout un problème pour nous. On a aussi, vous voyez, ces tourelles améliorées là. Et on voit bien qu'il y a des échafaudages tout le long là.
Ça veut dire que si on bouche une sur deux, ben ils peuvent passer d'un côté, faire tout le tour, passer de l'autre, faire tout le tour. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a moyen de faire un truc super moche, hein, super long. Mais on veut pas qu'il y ait un milliard de troupes sur la map, hein, je rappelle. Parce que sinon, ils se mettent à muter après, les monstres. Mais par contre, comment on retarde le côté rouge si jamais on retarde le côté jaune en bouchant là? Il faut retarder le côté rouge, parce que le côté rouge, évidemment, faut pas qu'il monte comme ça. Donc si je bouche là, il va vouloir aller là. Si je bouche là, il va se dire, bon bah autant passer de l'autre côté. Donc faut boucher des deux côtés à chaque fois. Ou alors on bouche directement là. Là, et ensuite on bouche les trous au fur et à mesure. Donc il prendra ce chemin. Faut le laisser passer là parce qu'on veut pas gâcher la tourelle. Ensuite on le fait passer là. On bouche là. Et on le fait passer là, là. Et on le fait revenir par en haut. Et il revient par là. Donc en gros, le rouge, il ferait un truc comme ça. Comme ça. Et ce côté-là, bah, en bouchant là, il se démerdera pour aller rejoindre ça. Ça, 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 ça. Ce qui devrait faire à peu près la même distance. Et donc la kill zone se passerait ici, hein. Elle se passerait même, bah là, directement à l'entrée, parce que ils repasseront forcément là pour remonter. Et ils passeront forcément là quand ils arrivent. Donc, on peut même gâcher ça et mettre deux artilleries pour qu'ils tirent là. C'est la violence, mais on pourrait. Ou alors, des snipers, ou des... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? L'espèce de rayon laser. Non, le rayon laser, j'ai peur que la distance soit nulle. Le rayon laser, on pourrait le mettre à côté d'un truc fixe. On pourrait mettre trois rayons laser là et là, ils sont pas chers. Hein. Mais il faut tester le rayon laser sur la vague de flamme. Donc techniquement, il faudrait le mettre à un endroit où il ne lâcherait jamais la cible qui vise. Et ça, je sais pas comment ça va être possible. Mais bon, c'est intéressant quand même cette map. Y a un autre moyen, c'est de ne pas boucher les trucs. Ne pas boucher le passage haut. Et en gros, faire des deux côtés une déviation. Par exemple, comme ça, comme ça, comme ça. Enfin, ou même en passant là-dessus, hein, admettons qu'on s'en foute. Qu'on bouche là. Et qu'on passe comme ça et qu'ils reviennent comme ça. Voilà. Et là, par exemple, on pourrait faire deux kill zones, ici et là. C'est un exemple idiot, mais... Et faire la même chose ici pour qu'il passe comme ça, et il remonte. Voilà, admettons. Qu'on fasse un truc simple. Ou même qu'on utilise... Ouais, pourquoi pas celui-là? Pour qu'il fasse tout le tour. Mais à ce moment-là, il faudrait créer une kill zone, plus une kill zone. Plus une troisième kill zone au centre. Alors, elles auraient pas besoin d'être très puissantes, hein, vu que chacune érodera la totalité de la structure, en gros. Hein. Enfin, de tous les ennemis qui passent. Mais je pense que c'est vachement plus casse-gueule. Parce qu'il va falloir séparer nos ressources entre droite et gauche. Alors que si jamais on bouge là, bah on sait qu'ils vont tous passer là. Et à ce moment-là, on n'a qu'une kill zone à vraiment optimiser à mort. Mais ce que j'ai peur, c'est que ça cumule vraiment trop au même endroit. Et que ça cause un gros cheminement de créatures qui vont s'accumuler à mort et que ça fasse le bordel. Mais bon, on verra ça la prochaine fois. On testera les deux. En fait, on va tester la première, celle qui nous paraît la plus logique. Et si elle passe pas, on testera la seconde pour voir. Et puis, on aura une meilleure vision aussi des ennemis qui vont arriver. Hein, parce qu'on va avoir des nouveaux ennemis probablement et on va pouvoir comprendre. D'ailleurs, est-ce que c'est indiqué? Alors, maigrichon, vagabond, téléporteur, balayeur et brut. Recommandé blaster. Ah non, vous savez ce qu'il nous recommande? Il nous recommande de mettre des blasters tout le long des colonnes. Oh, recommandé blaster, même pas une autre. Bonus chrono, carte terminée, un X, tuer tous les relous. Récompense, hors de départ, 1400, ok. Ah, c'est bizarre qu'il nous recommande la tourelle blaster quand même. Mais je pense que... Attends, on va voir les ennemis. Maigrichon, téléporteur, ouais, il y a bien des téléporteurs, hein. En gros, si on laisse comme ça fait 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 et ils sont partis. Ouais. Non, mais ça sera pas un problème si jamais on crée tous les trucs, mais mine de rien, il va vite traverser, hein, parce qu'on va faire des couloirs quand même. Si on bouge... Alors, attendez. Si on bouge là, et qu'on bouge tout ça, jusqu'au bout, ça force le gars à se téléporter là. Admettons qu'on bouge là et là, ça force le gars à aller là, ça force le gars à aller là. Et là on fait tout le tour et on revient ici, admettons. Mais alors à ce moment là on vient de boucher le passage de là. Ouais mais lui on pourrait faire quoi? On pourrait faire ce chemin là. Et remonter, ce qui est naze. Et sachant que tous les ennemis passeront ici par téléportation. Ouais mais je pense que la téléportation justement c'est pas bien. Parce que si tu mets une tourelle là, dès que ça se téléporte c'est... Ouais ça part en sucette quoi. Non non je pense que c'est là la kill zone. Peut-être qu'il faut la faire en haut. Parce qu'il y a le gel et le feu. Et il faut faire confiance au fait que bah, tous les ennemis, on va les laisser avancer jusqu'à là. C'est ça qui me paraît casse-gueule. Laisser ça de marge en gros. Mais on a vu que sur les dernières maps, on arrivait à les stopper net à certains endroits. Mais vous voyez là, si jamais il y avait un passage sur le rouge et le bleu qui nous envoie directement au centre comme ça, après être passé ici, un truc comme ça, vous voyez, il n'y aurait pas de souci. Le problème, c'est que c'est pas le cas. En gros, il y a un côté qui va pouvoir traverser et pas l'autre. Parce que les deux ne vont pas passer à cet endroit. À cause de quoi? À cause de ce foutu trou qu'ils ont mis au milieu, là. Ce qui nous empêche de mettre des tourelles à 4 emplacements et ce qui nous empêche de faire un vrai passage pour que tout le monde passe ici. Donc ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule des deux lignes qui va pouvoir passer là-dessus. Ou alors, faut qu'on fasse justement la kill zone ici. Et à ce moment-là, quand ils viennent ici, bah, c'est ce passage qui est bloqué. Pour que tout le monde passe ici. Ouais, ok. Et comme ça. Ok, il y a peut-être un moyen. Il y a peut-être un bon moyen de le faire. Donc, faudrait boucher le côté jaune. Et forcer tout le côté rouge et jaune, finalement, à passer ici. Ouais, ok, ok. Ok, on trouvera un moyen. Allez, on verra ça notre prochaine fois. Merci d'avoir suivi. Et à bientôt.